Bonjour, c'est Cédric Froment et dans quelques instants, je vais vous expliquer comment il est possible de transformer ses pertes en gains grâce à l'utilisation de 5 stratégies spécifiques qui couvrent les situations possibles lorsqu'un trade tourne mal. La première situation est ressentie comme étant la plus courante chez les traders. Vous savez, quand on achète des actions et que tout de suite après, elles partent à contresens. C'est un peu comme si le marché lisait dans nos pensées et chercher à nous piéger. Et c'est à ce moment précis qu'on commence à se poser plein de questions. Est-ce que j'ai acheté au bon moment? Est-ce que j'ai acheté la bonne action? Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Mais qu'est-ce que je dois faire? Si vous spéculiez régulièrement, cette situation, vous devez l'affronter constamment. Et pour cela, il existe une stratégie extrêmement efficace. Alors la deuxième situation, c'est lorsque l'on a affaire à une action qui s'endort juste après être entrée en position. Après avoir ouvert un trade, les prix ne bougent plus. Bon, on commence à s'impatienter un petit peu, on ne comprend pas vraiment pourquoi notre magnifique choix d'action se révèle être un remake de la Belle au bois dormant. Bref, on commence à perdre patience. Alors la grande problématique est de savoir si l'on doit sortir du trade ou si l'on doit lui laisser la chance de se réaliser. Et pour cela, il y a une solution. La troisième situation est très perverse cette fois-ci. Elle concerne les trades gagnants qui se transforment d'un seul coup en perte. Vous savez, c'est lorsque l'on entre sur l'action, les prix montent un peu, mais pas trop quand même. On devient plus confiant et on relâche un petit peu la pression. Et puis là, bim ! D'un seul coup, donc, les prix se retournent brutalement et on passe alors d'une situation de gain latent à une situation de perte latente. Et là, une décharge émotionnelle nous pousse à agir vite et mal sans savoir ce qu'il faut vraiment faire. On est déjà frustré de se dire qu'il s'agissait apparemment d'un bon trade, mais doublement frustré quand on se rend compte qu'en fait, il s'est transformé en perte. Mais il y a encore plus vicieux. La dernière situation abordée dans cette vidéo est de loin la plus frustrante. Alors, je veux parler des fameux trades où l'on se fait piéger à cause d'une manipulation des cours. Autrement dit, on place confiant notre stop loss et un mouvement de vente intraday vient le déclencher, puis les prix rebondissent. Ce schéma est un grand classique des manipulations de cours boursières et il existe une façon très efficace de ne plus se faire prendre. Elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris dans les livres de trading. Alors, certes, il ne faut pas être dupe. Toutes ces situations que nous avons tous vécues ou que vous allez vivre si vous débutez, les meilleurs traders doivent les gérer au quotidien. La seule différence, c'est qu'ils ont un plan pour agir dans chacune de ces situations et renverser la situation à leur avantage. Je vous rappelle que les statistiques révélées par le magazine Action Future sur notre trader français de génie nous disent que 10% de ces trades sont responsables de la totalité de ses gains. 10%. Les autres 90%, c'est uniquement de la coupe dont il s'agit. Comme vous pouvez le constater, même les meilleurs traders du monde n'ont pas la faculté de lire l'avenir. Ils ont simplement un plan d'action pour chaque situation. C'est en faisant ce constat que je me suis mis à chercher comment améliorer l'ensemble de mes plans de trading en optimisant la coupe de mes trades. J'ai donc repris un par un tous mes trades de ces dernières années. J'ai identifié 5 situations qui se répétaient inéluctablement et qui me piégeaient sans cesse. Et de là sont nées mes 5 stratégies de coupe. Dans la formation « Transformez vos pertes en gains », je vais vous révéler ces 5 stratégies pour justement gérer tous les faux mouvements boursiers que l'on est obligé de couper sans état d'âme. L'idée, c'est de capturer toujours les vrais gros mouvements grâce à la coupe des faux mouvements. Ces 5 stratégies sont simples, sans indicateur technique, et elles vous permettront de réduire votre risque au maximum sans plus jamais vous poser de questions. Voici maintenant un petit aperçu de ce que vous allez apprendre dans cette formation. Vous ne serez plus jamais surpris par la majorité des trades qui ne vont nulle part et vous saurez précisément quoi faire en toutes circonstances. Vous serez en possession d'un plan d'intervention ultra simple, sans indicateur et qui s'adapte parfaitement au paysage boursier.
Cela pour faire opposition au trailing stop automatique proposé par les plateformes de trading qui sont basées sur des pourcentages d'évolution de cours et qui sont de véritables catastrophes pour les traders. Vous allez entrer dans la tête des traders de haut vol en adoptant un schéma de pensée qui est dévoilé étape par étape, c'est-à-dire en partant du moment précédant la prise de position jusqu'à son débouclage. Ce schéma psychologique est le fil conducteur de votre pratique. Il vous faut l'imiter tout en appliquant les stratégies de coupe de la formation. Les résultats suivront automatiquement. Vous allez aussi en finir avec un portefeuille qui évolue en montagne russe pour enfin obtenir une belle courbe ascendante de performance. Vous agirez comme un trader professionnel, mais cela en toute simplicité. À l'issue de cette formation, vous aurez aussi la possibilité de prendre davantage de risques afin de pousser vos performances grâce à la maîtrise de cette fameuse coupe et donc de vos pertes. La stratégie de coupe enseignée dans cette formation, les stratégies de coupe, peuvent être utilisées sur vos propres investissements, sur vos propres listes d'actions ou encore sur celles recommandées par d'autres traders. Vous pourrez appliquer les stratégies de coupe autant sur des graphiques intraday, sur du Forex par exemple, que sur des unités de temps beaucoup plus longues de type indice boursier ou matière première. Vous aurez entre les mains un puissant concept mathématique transformé en méthodologie simple et surtout reproductible. C'est bien le plus important. Si vous appliquez ces stratégies sur un mauvais choix d'action, cela vous permettra de transformer de lourdes pertes en des pertes marginales ou carrément en gains. Vous serez aussi en mesure de déclencher les fameux accidents positifs dont on entend tant parler mais dont très peu réussissent à en maîtriser les règles. Le secret d'un portefeuille qui évolue favorablement, quelles que soient les conditions de marché, repose sur la maîtrise de cette fameuse coupe. L'utilisation d'un simple stop loss ne suffit pas. Pire encore, vous découvrirez que j'ai complètement réinventé ce concept pour éviter les manipulations de cours. Pour la première fois, le côté psychologique du trader est abordé en détail. Vous modifierez profondément vos ancrages psychologiques afin d'être à l'aise pour couper sans état d'âme les trois quarts de vos trades qui vous posent problème. Que vous tradiez à la hausse ou à la baisse, la logique des méthodes de coupe est strictement la même. Pour le lancement de cette toute nouvelle formation, vous bénéficiez d'un prix réduit, mais attention, l'offre est valable pendant 72 heures et uniquement pour les 40 premières personnes s'y inscrivant. Passé ce délai, ou les 40 places, l'offre sera définitivement retirée. La formation est à télécharger sur votre ordinateur au format numérique où que vous soyez dans le monde. Elle est acquise à vie, vous n'êtes donc pas obligé de la suivre immédiatement. Je serai par contre toujours présent pour vous assister si vous rencontrez une quelconque difficulté dans la mise en pratique. Alors, cette formation comprend un manuel très fourni avec des dizaines de cas pratiques dans lequel vous trouverez le détail des 5 stratégies. Il y a aussi 23 vidéos permettant de se mettre en situation réelle et savoir exactement comment réagir jour après jour pour couper les trades qui ne vont nulle part. Il est très important de ne pas sous-estimer les pertes liées à toute activité de trading. Il est impossible de gagner en bourse sans prendre des trades perdants car il s'agit d'un jeu de probabilité. Si vous transformez un ou deux trades perdants en un trade gagnant ou neutre, la formation se rembourse d'elle-même. Donc ça, c'est une première chose. Sachant qu'il vous faudra la mettre en application plus des trois quarts du temps et sur des centaines de trades, le calcul est vite fait. Investir dans cette formation vous fera économiser énormément d'argent. Et cela sur tous vos prochains trades. L'autre élément très important est que si vous avez un doute ou des questions sur un de vos trades ou sur la formation, je vous répondrai toujours personnellement et dans la journée. Vous ne serez jamais laissé livrer à vous-même en cas de souci. Ce qui est enseigné dans cette formation, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs, pas dans des livres de training, pas dans d'autres formations. C'est mon expérience personnelle que je vous livre. Alors après un achat, comment est-ce que ça se passe? Tout de suite après avoir passé commande, vous allez recevoir dans votre boîte email vos données de connexion à votre espace client. Vous pourrez donc télécharger immédiatement votre formation
et commencer à la mettre en pratique dans les heures qui suivent. Je vous dis donc à tout de suite, on se retrouve juste derrière pour passer aux choses sérieuses. À bientôt !